le dispositif des labels a été mis en place par la Fédération Française de Football pour valoriser les clubs qui s'inscrivent dans un projet tourné autour de quatre dimensions, le projet associatif, le projet éducatif, le projet sportif et le projet de l'encadrement. On le prend pour ballon. Mais pourquoi ? On fait comment pour être précis ? Aujourd'hui, c'est la grande fête du club, puisqu'aujourd'hui, nous allons recevoir effectivement les trois labels de reconnaissance du football. Deux labels fédérales, à travers notre école de foot féminin et notre école de foot de jeunes, et le label de la Ligue de Nouvelle-Aquitaine, senior. Il faut savoir que sur la Ligue de Nouvelle-Aquitaine, on n'est que 20 clubs à pouvoir dire qu'on est titulaire des trois labels. Pour obtenir de tels labels, il faut avant tout un public de qualité. J'ai cité les joueurs. Il faut qu'il y ait aussi des éducateurs volontaires à aller vers le label. Derrière, il faut une partie dirigeante, je dirais, qui m'accompagne pour monter les dossiers. Avec cela, le trait d'union entre la Fédération française de football et le club, c'est avant tout notre conseiller technique départemental, qui lui nous aide à prendre certaines décisions. L'accompagnement, il se passe de différentes façons. Ça passe par des réunions avec les clubs où on échange sur les différents critères. Ça peut être aussi un accompagnement dans la formation d'éducateurs quand on a ciblé certains manques. Sur le cas de Aix-sur-Vienne, il y avait un manque au niveau du label, c'était l'école féminine de football. C'est passé par un démarchage de l'école primaire pour amorcer un cycle football qui a entraîné après 15 à 20 licenciés dans le club. Le label, il apporte un élan pour se structurer, c'est-à-dire qu'au lieu de penser que le projet du club, c'est de monter à l'échelon supérieur ou de se maintenir, eh bien, le club va construire sur la durée différents éléments qui vont lui permettre notamment d'être mieux ressenti par la collectivité, par les partenaires, parce que eh bien, tous ces interlocuteurs qui sont donc dans l'environnement du club vont s'apercevoir qu'il y a une vraie prestation, qu'il y a un vrai service qui est rendu aux pratiquants et à leurs familles, et pas seulement je m'entraîne, je joue le week-end, mais des choses beaucoup plus importantes, hein, comme celles que j'évoquais précédemment, sur notamment le rôle social d'un club de football aujourd'hui. Derrière ces labels, il y a un véritable outil de travail, de structuration. Et donc là, moi, je suis garant de cet outil de travail et j'oriente les éducateurs à aller vers telle ou telle direction. Aix-sur-Vienne, ça m'inspire un club structuré qui avance par petites touches, qui est à l'écoute et qui n'avait pas de féminine, qui en a aujourd'hui, qui instaure au niveau de jeunes, au niveau régional, et on espère prochainement qu'il développe la pratique loisir le plus largement possible.